Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Djoléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve dans cette émission face à face, comme d'habitude, pour parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous le savez, l'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire. Et au cours de cette émission, nous allons voir les enjeux de cette session de mars, entre autres l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, pourquoi pas. Les réformes électorales. Nous allons parler également dans cette émission des élections de 2023 qui profilent à l'horizon. Nous allons savoir si il y aura élection en 2023 ou il n'y aura pas élection. Est-ce que ces élections doivent être conditionnées par l'identification de la population? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Maître Joël Kitenge. Maître Joël Kitenge est juriste de formation, mais également communicateur de l'UDPS. Maître Joël, bonjour. Merci de l'invitation et salutations aussi pour vous et vos multiples abonnés qui aiment et qui avons choisi votre émission pour savoir ce qui se passe au pays. Et voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Je rappelle, vous qui nous suivez pour la première fois, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et vous qui êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les notifications de toutes nos différentes émissions. Maître Joël, le nouveau rapport des forces aujourd'hui à l'Assemblée nationale permettront quand même à Félix Tshisekedi, président de la République, de renforcer son influence. Avant de commencer toute chose, j'aimerais quand même vous poser cette question tendancieuse. Bon, les rapports des forces, je ne comprends pas. Vous voulez faire allusion À l'Union sacrée, je comprends. C'est il a pourquoi les manœuvres pour tout faire. pour respecter la loi, bien sûr, puisque vous imaginez que d'abord dans l'idéal qui a permis le président de la République de vouloir appeler le Congolais, de vouloir créer ce pacte républicain, de vouloir faire cet appel patriotique aux élites congolais, pourquoi? Puisque la nation était en péril. La nation était prise en tenaille par les ambitions du Congo et la volonté d'un individu. La nation était comme un téléviseur en distance avec la télécommande dans une ferme. Et il était temps que les Congolais répondent à cet appel pour résoudre le besoin social des bases de notre population. Tshisekedi n'a pas amené à ce qu'il y ait l'union sacrée ou cette majorité pour tout faire. Tout faire dans le sens de résoudre les problèmes des Congolais, je dis oui. Tout faire dans le sens qu'il devienne un nouveau dictateur, non, il n'a jamais eu l'intention et il ne le sera même pas. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Bon, c'est à vous de. Ce n'est pas, pas Félix Tshisekedi. Vous voulez que Félix Tshisekedi vienne vous dire par qui, si ce n'est par moi, où il est venu dans cette famille dont il a grandi politiquement. Et Félix Tshisekedi, vous parlez de la dictature. Vous avez une preuve? Il est démocrate et il a prouvé pendant des ans que sans toute démocratie qu'il tente d'agir, au respect des textes et des lois de la République, sans que ceci soit violé, qu'il entre d'agir. Et quand vous parlez de la dictature, vous faites allusion à quoi? Quand vous parlez, c'est lui qui l'a dit. Vous avez déjà un communiqué, une ordonnance, une décision ou qu'à son personne ne peut dire, personne ne peut dire que je veux me faire un dictateur. C'est par les actes, c'est par les œuvres que nous pouvons constater que celui-ci est en train de partir dans une dérive dictatoriale. Et quelle œuvre vous faites allusion? Si vous en avez des œuvres, il fallait élucider, je vais vous répondre. Voilà, nous allons y arriver parce que c'était juste les liminaires. Nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est depuis le lundi que, pour la toute première fois, la rentrée parlementaire Made in Union Sacrée. Et le président de l'Assemblée nationale l'a si bien dit. Les réformes électorales, mais également la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI bénéficieront d'un examen en priorité. Selon vous, vous qui êtes acteur politique, quels sont les points de la loi électorale qui peuvent être touchés? Quels sont les points
de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui peuvent être touchés? Je ne sais pas. C'est à vous de me les dire ou à ceux qui les pensent. Ils vont vous dire, puisque je voudrais qu'on reste professionnel, je parle de moi en tant que politique, en tant que juriste. Une loi qui est contenue de plus ou moins 200 à 30 ou à 300 articles. On ne peut pas parler d'une réforme d'une loi sans qu'on ait ciblé les particules ou les endroits où les textes, les dispositions, la logistique des mots qui doivent être retouchés. Je donne l'exemple de celui que moi je soutiens. De toutes ces différentes sorties médiatiques, Félix Tshisekedi a émis le vœu qu'on revisite la Constitution et il a précisé l'article combien 10 concernant la nationalité. Là, il a fait allusion aux Congolais qui sont allés ailleurs et voulant quand même s'intégrer soit en France, en Australie, la question de la double nationalité. Exactement. Tshisekedi a soulevé le débat, il touche. Tshisekedi parla deux élections. Il soulève la question de comment les gouverneurs doivent être élus. Cette fois-là, non pas avec par les députés provinciaux, mais également, les gouverneurs doivent être élus par ce que nous qualifions de suffrage universel direct. Nos populations locales doivent se choisir, les gouverneurs seuls, sans passer par les députés. Étant donné que la Constitution a réservé comment un gouverneur devient gouverneur, c'est par les députés provinciaux. Et à ce moment-là, la loi électorale doit être retouché par rapport à l'élection du gouverneur et dans la disposition constitutionnelle qui parle de l'élection du gouverneur, puisqu'ici la loi est mutatis mutandis reliée et collée à la constitution. Troisième aspect des propositions faites par Félix Tshisekedi, c'est les élections de la présidentielle doivent être faites, pas contrairement à ce qu'Abila a dit, modifiées à des tours. Et là aussi, il faut toucher et la loi électorale et la Constitution, puisque du point de vue constitutionnel qu'on a réservé que les élections présidentielles se fassent à deux tours. Mais ceci a été modifié en 2011, d'abord la Constitution, mais également la loi électorale. Bon, voilà moi, en un mot, les modifications... Par là, vous voulez dire que le discours de Mbosso était un discours creux, parce qu'il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il faut faire très exactement. Non, non, c'est peut-être l'idée d'écouter ce que le président dit. Je pense qu'il a fait allusion aux dispositions que je suis en train de vous faire détail. Mais si ça ne sera pas les dispositions que je suis en train de vous élucider tout à l'heure, à ce moment-là, du point de vue pratique au Parlement, comment ça se fait? Un député doit être auteur d'une proposition de loi ou d'un projet de loi de modification et qui sera soumis au débat. Le bureau ne peut proposer aucune modification. Le bureau, c'est le modérateur, c'est la police des débats au sein de l'Assemblée nationale, c'est l'interface entre l'Assemblée nationale et d'autres institutions, vous connaissez la règle. Et lequel des députés qui a tenté d'initier Dom Bosso? Bosso nous dit qu'il est ouvert en tant que bureau, en tant que modérateur. Je ne parle pas du discours créé ou pas, ou le reste, mais néanmoins, c'est puisque c'est l'idée... En quelque sorte, on peut dire que Bosso a voulu inciter les députés à amener une proposition de loi afin de modifier ces deux lois. Bon, c'est lui celle qui peut clarifier ses idées, mais tout ce que moi je sais, du point de vue de Félix Tshisekedi, nous avons des députés qui sont à l'IDPS, qui sont à l'Union Sacrée. L'un prendra l'initiative de ses projets de loi pour faire passer ce que nous voulons. Il a lancé débat devant les Congolais et tous les Congolais trouvent que, par exemple, prenons l'hypothèse de Kinshasa. Comment nos députés provinciaux élisent les sénateurs? Comment nos députés provinciaux élisent le gouverneur? Tous, nous savons que c'est de l'argent, c'est monnayable. Et pourquoi ne pas passer que le gouverneur batte campagne devant nous-mêmes Quinois et que le Quinois se prononce pour ou contre X ou quelques gouverneurs? C'est une modification. C'est comme ça qu'on peut parler d'une réforme. On ne veut pas dire on va réformer la loi électorale. C'est vague. C'est ça que je suis en train de vous dire. Du point de vue scientifique, on doit être précis, on doit être concis, on doit être clair, pour que ceux qui vous suivent savent. Vous ne voyez pas que vous avez épousé mon idée en disant que le discours de Mbosso était un discours creux, était un discours sans contenu. Vous l'avez dit, c'était vague. Je n'ai pas dit sans contenu. Je vous ai dit, vous êtes journaliste, Mbosso est ouvert, il y a une presse à l'Assemblée nationale. Vous avez l'intérêt d'aller qu'il éclaircisse toute son idée. Vous savez, dans un discours d'une rentrée, on ne peut que toucher à l'essentiel. Je vous ai répété peut-être que
faisant allusion aux propos tenus par le président de la République, il a voulu être en phase avec l'autorité hiérarchique du pays pour aller vers les députés, notamment dans ce genre de propositions. Bon, si peut-être vous ne voulez pas en parler, la loi électorale, la loi organique n'a jamais été le débat de Félix Tshisekedi ou encore des autres. Mais nous avons entendu, comme tout le monde dans les médias, qu'un groupuscule d'individus, parti politique peut-être soit-il, ont dit vouloir proposer la réforme de la loi organique. Et nous avons suivi quelques conférences de presse tenues au centre CEPAS, ici à la Gombe. Là, vous parlez de G13 ? Je ne parle pas de G13. Je suis suffisamment informé, je ne parle pas de G13. G13, tous se sont à l'Union Sacrée. Il s'agit de qui ? Je ne sais pas de qui vous faites allusion. Moi, j'ai attendu Martin Fayoulou. Mais justement, parlant de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Je ne parle pas de G13. Vous avez épousé aussi l'idée de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, qui ont proposé aussi. Vous me posez la question, vous confirmez si nous avons épousé. Il a proposé quoi, en fait ? Je vous pose la question. On ne peut pas proposer un monstre de raisonnement. On ne peut pas épouser des incantations juridiques. On épouse des idées, des débats qui peuvent faire évoluer l'appareil électoral, la vie démocratique. Est-ce que nous pouvons d'abord réfléchir que nous débattions des réformes qui amènent l'eau au robinet des Congolais, les réformes qui amènent l'électricité aux consommateurs congolais, les réformes qui renforcent la gratuité de l'éducation, les réformes qui renforcent l'autorité de l'État, la sécurisation à l'Est et autres. Toutes ces réformes d'ordre politique, ça profite à quel type de Congolais, à quel type de cadre? Il faudra d'abord commencer par la réforme de la loi électorale, avoir des bons dirigeants afin que ces dirigeants-là puissent venir faire des réformes de certaines lois. Je vais vous dire, ça c'est une esquive, ça c'est une farce de réflexion. Lorsqu'on dit par exemple, vous parlez de Martin Fayoulou, je rappelle à l'opinion que monsieur Martin Fayoulou, les Congolais ont trouvé à lui la qualité d'un député. C'est ainsi que les Congolais l'ont élu comme député à Lukunga. Il a décidé les Congolais pour ne pas aller siéger en donnant place et lieu de son siège à Madame Charlotte. Et c'est simple, à ce moment-là, on pense que Madame Charlotte récupérera le monument. Ils vont le partager avec Martin Fayoulou fin du mois. Là, c'est clair, tout Congolais savent. Mais non. S'il vous plaît, mais c'est ça la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai été élu, tu es premier suppléant. Il n'a pas voulu cautionner ces élections de pacotis qu'il a qualifiées, raison pour laquelle il n'a pas siégé. Il n'a pas voulu cautionner cette fraude électorale. Ah ben oui. Merci. Et vous faites allusion d'une conférence de presse qui a été tenue en CEPAS, n'est-ce pas? Il lance, il propose les débats. D'après vous, journalistes professionnels que je vous reconnais, pensez-vous qu'une réforme de loi ou débat de loi n'a que deux formes pour qu'il y ait une réforme? Il n'y a que deux. La première, c'est sous proposition du gouvernement, et deux, à l'initiative propre d'un député où la population locale, conformément à l'article 5 de la Constitution, peut saisir un député de leur circoncision pour lui faire raisonner. Celui-ci propose un projet de loi pour aller débattre. Et les réformes, on ne les débat pas au centre CEPAS. On ne les débat pas dans un hôtel, soit-il, où on convoque quelques presse, YouTube, Facebook et tout ça. Mais c'est quoi le rôle de l'opposition? Le rôle de l'opposition? Vous pensez parce que Martin Fayoulou... Vous pensez qu'ici, je suis là assis pour parler, expliquer le rôle de l'opposition? Parce que Martin Fayoulou, aujourd'hui, c'est le numéro un de l'opposition en RDC. C'est vous qui le dites. Il faut aller lire la loi pour ta statut et fonctionnement de l'opposition en République démocratique du Congo. On n'a jamais encore choisi les porte-parole de l'opposition. Vous me dites, c'est quand ça a été fait, puisque c'est le Parlement qui le fait. Vous avez de PV d'entérinement, on a choisi les porte-parole et Martin Fayoulou fut choisi. Mais il a la confiance du peuple. Bon, je ne sais pas. Oui, à la population de Lukunga, ça, je suis d'accord. À la confiance de cette population qui l'ont élu comme député national. S'il vous plaît, je termine mon idée à ce stade. Il a la confiance de la population de Lukunga. Vous êtes en disgrâce et en contradiction avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou vous dit qu'il n'est pas dans l'opposition. Il est dans la résistance. Là, vous êtes en train de lui donner une tâche dont lui-même ne veut même pas. C'est lui qui a dit à l'opinion congolaise qu'il n'est pas opposant. Il est dans la résistance. Mais curieusement, c'est lui qui résiste et propose le débat des lois. Ah ben, je dis, mais on est où là? Mais néanmoins, tout le monde change. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. C'est naturel qu'on soit dans la résistance, et on comprend que la résistance ne peut pas payer. Dans une démocratie, on est opposant et on propose. Comment je le considère comme un opposant?
Et je dis qu'un opposant peut aussi proposer. C'est l'un des rôles de l'opposition. En tout cas, là, proposer des lois. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas lui qui a reconnu qu'il est opposition. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, je suis d'accord avec vous. L'opposant propose. Nous l'avons été pendant 37 ans dans un combat. Et je vous dirai, des initiatives, de beaucoup de choses qui se font, nous en avons proposé. Je donne un exemple. Il y a un conseil d'État qui existe aujourd'hui, la supériorité de l'ordre des juridictions administratives en République démocratique du Congo. Savez-vous qui en était l'auteur? Paix à son âme, c'est Bokoulaka Ari Thomas Lokondo, qui est l'auteur de ce projet de loi, et nous avons un conseil d'État. Et à jamais, quand tu seras devant le conseil d'État, tu dis qu'Ari Thomas Lokondo était passé par ici. C'est une preuve. Et je peux vous dire des projets, des idées, des Lunda Boudou, des Mobutu et tout ça. N'oubliez pas que Étienne Tshisekedi, lorsqu'il crée l'IDPS, il occupe le même poste qu'occupe le président Kabound aujourd'hui. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et n'oubliez pas que nous travaillons, nous réfléchissons et nous proposons. Mais je voudrais que vous vous êtes tenté d'éloigner nos téléspectateurs d'un débat houleux et utile. Lequel? La proposition faite par Maté Fayoulou. Oui. Avons-nous épousé, oui ou non? Je vous ai dit, toute bonne initiative, pour être rationnelle, elle est appréciable, que ceci vienne de n'importe quel Congolais. Mm-hmm. La liberté de penser, la liberté d'idée, la liberté d'opinion, la liberté de quitter, la liberté de... Tout est consacré dans la Constitution et tout Congolais, vous ne pouvez pas lui empêcher d'imaginer, de réfléchir. Il trouve que la CENI doit être dépolitisée. La plénière de la CENI est composée de 13 membres. Martin Fayoulou vous dit qu'elle doit passer à 23. À 23, oui. Il faudra que la présidence de la CENI soit rotative. Mm-hmm. 3 mois, 3 mois, et conférée à qui? Aux responsables des confessions religieuses, pour que, par exemple, catholique nous en donne un en 3 mois, Michoni nous en donne en 3 mois, Église de réveil et autres. C'est une bonne réflexion. Et je lance les débats. D'abord, de Nanga à Apollinaire Malou, c'est ça que j'allais dire. Tous les 3 ou tous les 4, si je me permettrais le mot, puisque Malou est revenu à 2 reprises. Exactement, mm-hmm. Et c'est pourquoi j'ai pu faire les 4. Tous sont des hommes d'église. Malou, un prêtre. Goïmoulunda, pasteur. Nanga, si vous ne le saviez pas, pasteur. Je l'ai dit, je suis devant la télé. Pasteur. Et je voudrais que les Congolais analysent la moralité, la capacité, l'impartialité de ces 3, de ces pasteurs. S'il faut encore revenir aux hommes d'église, comme si nous n'avons pas la jurisprudence des hommes d'église. C'est ça le débat. Vous proposez, mais est-ce que moi je me dis, il a regardé, ces hommes d'église n'ont-ils fait allusion? À la conférence nationale souveraine, c'est le temps où Martin a fait ses débuts. Dans la société civile en 91-92, il apparaît comme le tout jeune de la société civile à la conférence nationale souveraine. C'est encore les hommes d'église qui nous ont pilotés. Il connaît la conséquence, comment Mosengo a reçu le carton de Mobutu pour nous rouler et ramener Kengo à la place liée là où Tshisekedi devait être. Vous connaissez le gouvernement d'après la conférence nationale souveraine et comment on n'a pas atterri dans cette longue transition. Comprenez mon émotion, donc c'est le discours qui est retenu. Quel a été le rôle de l'Église catholique? Même quand nous revenons du temps de la colonisation, du temps des traites de guerre, du temps de Belges, quel a été le travail de l'Église catholique et les colons? Donc qu'est-ce que vous préconisez? Les hommes d'Église! Que la CENI puisse revenir entre les mains des hommes politiques? Ça ne revient pas, c'est comme ça que ça se gère entre les deux camps des politiques. Donc majorité, opposition, plus la société civile. C'est mais vous vous méfiez, vous les politiques, vous vous méfiez de temps à autre. Mais ça ne sera pas facile. Hein? D'ailleurs, autant que nous soyons dans les politiques, tout en se méfiant, et la méfiance crée maintenant l'autocontrôle. Nous sommes dans une structure, tu es de la majorité, je suis dans l'opposition. Cette méfiance fait que je veille sur toi, cette méfiance fait que vous veillez sur moi. Or, la société civile, quand vous prenez les hommes d'église, sont de la société civile. N'ayant pas de tendance, ils sont achetables, ils sont prenables. Et dites-vous, vous connaissez qu'est-ce que la société civile chez nous. N'oubliez pas que professeur Bahati, tout ce qu'ils l'ont connu, ils l'ont connu comme numéro un de quoi? De la société civile. Ah, vous connaissez, c'est pas dans la société civile, c'est AFDC. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots que les gens ne comprennent pas. Non, aidez-moi. Aidez-moi à conclure cette phrase, si vous voulez bien. Pour conclure ce sujet. Si des comptes partis politiques peuvent proposer
comment on peut revisiter la loi, comment on peut changer le bureau de la CENI, la dépolitiser, puisque c'est si c'est normal. Et tous les Congolais disent, oui, Martin a dit, il faut qu'on en débatte. Mais si c'est l'IDPS qui pense et qui vous dit que nous aussi, nous sommes des Congolais. Nous aussi, on est un parti politique comme SID et comme Ensemble. J'ajoute qu'Ensemble aussi a pensé comment les réformes, les 13 aussi députés, les 13, oui. Yahi, Palou, ils sont ici de plusieurs partis politiques. Ils peuvent réfléchir. Sauf l'IDPS ne peut pas réfléchir. C'est diabolique. C'est tout ça. Et on nous recevons les insultes et les mépris de tout le monde. Pourquoi? Puisque l'IDPS, c'est comme parti politique. Ce n'est pas l'officiel, c'est un fait privé. Dit, nous pensons qu'il doit y avoir élection. Et nous disons également, il faut qu'il y ait recensement. Nous allons attention, revenir... Attention, s'il vous plaît. Je ne débatte pas dans le fond, je voudrais seulement ajouter s'il une vous plaît. Pour dire ceci. Pourquoi les autres peuvent réfléchir et l'IDPS n'a pas ses droits et tout le monde s'énerve? Joël Kitenge, ne me coupez pas l'herbe sous les pieds, je crois que nous allons y revenir. D'accord, je suis à votre disposition. Aujourd'hui, on a parlé de la réforme de la loi électorale. Il y a également ce qui nous attend aujourd'hui, c'est l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée pendant cette session de mars. Aujourd'hui, dites-nous un peu, jusqu'à présent, nous attendons le gouvernement, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas de blocage. C'est comme ça que ça s'est fait à travers le monde. Bon, c'est à vous de me dire, vous élucidez le blocage, moi je vais répondre. Le blocage, c'est où? Les formations politiques d'un gouvernement que nous appelons des majorités composites. L'Union sacrée, n'oubliez pas, c'est 26 partis politiques et regroupements politiques inclus, donc 26 formations politiques majeures. Et dans les 26 formations politiques, plus de 320 députés inclus dedans. Donc des leaders, des sous-leaders, des petits leaders, et tout ça nous sommes dans une forme que je vous ai qualifiée de majorité composite. Puisque depuis 2006, en République démocratique du Congo, aucun parti n'a réussi à lui seul d'atteindre la majorité. Alors, dans une telle théorie, il en a déjà été à travers le monde, en Israël, en Belgique, en France, que quand on est face à des majorités composites, la formation du gouvernement n'est pas facile, n'est pas simple, puisque vous êtes devant les gestions d'ambition, des guerres de positionnement, et tenter de vouloir remettre tout sous le pied d'égalité et en équilibrant ce que nous appelons l'équilibre national. Le débat est là, les propositions ont été faites, la motire a été déposée devant Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, après appréciation, il a trouvé qu'il y a des noms qui fâchent et autres. On a retourné la motire au Premier ministre pour discussion éventuellement avec les différents états-majors des partis politiques. Et le débat est en cours. Alors, je ne vois pas en quoi vous parlez du blocage. Le blocage, là, c'est le petit retard qu'il y a ou quoi? C'est pas un petit. Je vais vous donner les faits. Je vais vous donner les éléments. Vas-y, je vais vous répondre. L'UDPS, votre parti, vous avez 8 portefeuilles ministériels. Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound sur leur table, ils ont 82 candidatures. Et jusqu'à présent, les deux n'arrivent pas à départager tous ces gens-là. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, l'UDPS, vu que l'UDPS n'arrive pas à déposer la liste de ses ministrables, le gouvernement est bloqué. Ça, c'est le premier fait. Vous pouvez répondre à cette question, comme ça nous allons partir au deuxième. Bon, oui, ça c'est sûr, c'est votre analyse. Mais néanmoins, vous savez ça par qui? Vous l'avez su, puisqu'Augustin Kabouya a parlé. Mais bien évidemment. S'il vous plaît, a parlé d'image. C'est un type hautement politique et qualifié en communication. N'oubliez pas l'IDPS, la première responsabilité qu'Augustin a eue, à part être sessionnaire fédéral, c'est secrétaire national chargé des communications. Il pouvait prendre cette vérité, ce débat, les cacher. Et pendant, devant les militants, tous et personne n'allait le savoir. Pourquoi il a étalé en public? Pourquoi? C'est ça la question que vous devez le savoir. Il a étalé en public pour vous démontrer combien l'IDPS demeure et reste le parti école. Où les débats et les ambitions, tout le monde a sa place pour tenter, pour imaginer. Contrairement au parti de mots d'ordre, contrairement au parti où quand il faut liste, on n'en voit que cousin, neveu ou sa femme. Les 82 noms qu'il y a, ça veut dire du ministre qui sont au gouvernement Ilunkamba,
les septandénos qui viennent de nos fédérations, des parlements debout, de l'exécutif, des structures des femmes, de la Ligue des jeunes, de l'exécutif national et les ambitions venant de toutes nos entités par la province. Chaque province envoie, puisque nous avons plus de 700 quelques fédérations à travers le monde. La fédération Angleterre, la fédération Belgique, la fédération Allemagne, c'est le parti école. Et à ce niveau, c'est un débat. Et il en a démontré pour dire aux autres, aux uns aux autres, que voilà, là où nous sommes, il y a des ambitieux, il y a ceci, cependant, nous devons que retenir 8. Mais justement, s'il vous plaît. Justement, ce sont ces ambitions-là qui bloquent la sortie du gouvernement. Non, non. Mais alors, la monture qui a été déposée chez Félix Tshisekedi pour retourner, c'est la monture que l'IDP, ça c'est en interne du parti. Et les listes qui seront déposées devant le président de la République. C'est, vous pensez-vous que Sam recevra 82? Ça, c'est en interne. Il n'a pas laissé ce qui se passe au parti. Pas qui se passe devant à la primature chez Sam Aloukonde. Bien évidemment. Sam Aloukonde a une liste de l'IDPS. C'est avant que cette liste soit faite qu'il a expliqué les débats et autour. Et tout a été réduit dans un quota de 82. La meilleure arithmétique, c'est par 10-1, par 10-1. On aura 8 ministères, ça veut dire 10, 11 à 10 candidatures. Et on dégage un consensus. Un consensus, nous aurions le oui-non qui vont être déposés et c'est ce qui a été fait. C'est le débat. Et ici, nous démontrons aux gens, dites à un seul parti, ici, de tous les prétendants qui veulent partir du gouvernement, qui vous ont dit les débats en interne étaient combien de candidatures. C'est l'IDP, c'est celle qui vous étale tout ce qui se passe. Dites-nous ensemble, OMLC qui vous a dit, par exemple, dans le poste, prétendu, puisque c'est encore une estimation, dans les postes prétendus pour l'AFDC, pour MLC ou pour X parti, au préalable, en interne, le débat était comment, il y avait combien de noms. À part l'IDP, ce qui vous a été dit. Justement, c'est pourquoi apprenez encore la bonne façon parlons de débattre de la démocratie. Des autres partis politiques, certainement, vous avez suivi la déclaration de l'un des députés des Ensemble. C'est qui? Eliezer Tamboué. Qui a si bien dit qu'on nous dit de venir, c'est un député national. Peut-être. Oui, c'est un député national au même titre que le professeur Mbata et les autres. Ah non. Bien évidemment, ils sont les députés nationaux. Ils sont les députés nationaux. Non, lui, c'est un fanfare. Eliezer Tamboué a si bien dit, il a si bien dit que on nous a dit d'amener les noms. Alors que jusqu'à présent, mais personne ne l'a contredit au sein d'Ensemble. Terminé, je vous réponds. Jusqu'à présent, on ne nous dit pas quel est le ministère qui nous a été donné. Nous avons combien de ministères? Vous nous dites seulement d'amener les noms. On aura envoyé qui à quelle place? Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous, l'UDPS, de vouloir rouler vos partenaires comme d'habitude? Vous êtes un professionnel. Je respecte vos convictions. Je respecte votre dexterité et vous faites preuve d'une intelligence. Je voudrais poser la question. Je ne serai pas responsable. Vous savez, être responsable de l'idiotie, de l'improgrio, de l'insuffisance de faire des analyses à la hauteur du raisonnement là où le monde humain est, contrairement dans les parcs nationaux, là où vivent les bonobos, ça fait un débat. Imaginez-vous à travers le monde un parti politique dans la majorité composite qui vient, qui vous dit oui, tu me dis d'abord, dis-moi quel portefeuille je vais être. Et quand tu me dis le portefeuille que je vais être, c'est comme ça que je vous donne les noms. Quand ce monsieur parle là, il pense que tout le monde sont les écoliers comme lui. Il pense que la réflexion politique, elle s'est faite de cette manière-là. C'est un député national quand même. Il faut du respect. Il faut du respect à un élu du peuple. Le peuple est de Lukunga. Je ne suis pas de Lukunga. Mais bien évidemment, c'est un député national. Même quand on est abruti. Cette assemblée nationale est remplie de gens comme lui. Des brouhaha et des blablabla devant des caméras de YouTube. Ils sont tous de l'Union Sacrée. Hein. Qui vous a dit que nous, à l'IDPS, on applaudit ce qui est invraisemblable? Je vous dis ici, vous vous battez, puisqu'on a parlé des eaux et tout ça. Vous avez vu des marches qui aillent en Bougimaï contre Maoué Jean, notre le seul unique gouverneur de l'IDPS. Qui a marché? La population, l'opposition ou nous-mêmes? Non. Vous avez vu que l'IDPS est capable d'encourager quelqu'un qui n'est pas à la hauteur? Ce n'est pas notre niveau. Vous êtes de l'Union Sacrée, nous nous opposons. Quand le président est allé au Grand Marché, il a dit tout ce qu'il a dit sur Santini. Les réactions que tu as vues contre le président, ce n'est pas le parlementaire debout.
C'est ça l'IDPS. L'IDPS, quand l'idée n'est pas cohérente, même si tu es qui à l'IDPS, on s'oppose à vous. Revenons à notre mouton. Revenons à notre mouton. Donc des députés comme lui, comme Molière, comme lui, prend, il y en a plein. Sans consistance, sans proposition, à part qui sont oui, qui sont contre. Je vous parle de Thomas Lokonto. Donc vous estimez que la déclaration d'Eliezer... Mais elle est infondée. Je vous pose d'abord la question. Au regard de la loi, quand je dis, puisque vous ne me permettez pas de descendre dans mon idée, vous pensez que du respect, je vous donne le temps de vous exprimer alors. Oh, ça, c'est ça. On vit à Kinshasa, on connaît qui est qui, on sait comment les autres sont escaladés, on sait. Je n'ai pas besoin de dévaliser tout ce qu'on peut dévaliser ici. Est-ce que vous pouvez me dire qu'au regard de la loi, Ensemble a un seul député à l'Assemblée nationale? Ensemble a été créé après les élections. Oui. Tous les députés qui sont élus, dont lui Eliezer, vous savez, il est député de quel parti? AMK, Alliance sous le mouvement Congo. C'est cela son parti politique. Ils sont quand même 14 ou 12 députés AMK. Il y a les députés G7, il y a les députés MS, oui, ainsi de suite. Ce sont ces partis politiques-là qui doivent parler. Les partis créés par Moïse Katumbi n'ont pas d'élus légalement parlant, c'est ça le français. Et à défaut, si ces députés qui sont des MS, de AMK, de G7, quittent leur parti pour aller ensemble, au regard de la loi portant statut pour le maintien du siège, ces députés doivent être invalidés puisqu'ils ont quitté les partis pour lesquels ils ont été élus, dont Eliezer Tambo. Est-ce qu'il a réfléchi en tant que tel? C'est naturel. Pourquoi? Puisque on devient député sans avoir terminé ses études. C'est ça. Joël Kitenge, c'est pas notre débat du jour, en tout cas. Quand on apprend en retard, on se montre les listes puisqu'on est face à une caméra YouTube. Mais je me pose la question. Je me pose la question. Pourquoi vous vous en prenez à Eliezer Tambo jusqu'à ce niveau? Moi, je me dis, la question que je me pose à la répondant, pourquoi Eliezer Tambo s'agite trop comme une poule qui veut pondre ses œufs? Pourquoi il s'agite? Pourquoi il veut se faire remarquer? Pourquoi il s'agite? Il n'a qu'à montrer ses muscles au Parlement par des débats et des lois constructives. Vous avez voulu être député, restez là-bas. Au sein du parti politique Ensemble, lui-même est député d'AMK. Vous comprenez la loi? Je vous donne un autre exemple. Matata Ponyo a été élu, nous découvrons, nous savions qu'il était député du PPRD. Curieusement, cependant, il était député des Atik. Oui. Et sénateur d'Atik. Il démissionne, on peut perdre. C'est cette violation, cette façon de vivre dans la jeune que nous ne voulons pas. Tous savent que vous êtes de l'IDPS, tous savent que vous êtes d'AMK, et entre-temps, vous parlez d'Ensemble. On ne peut pas être un député de deux partis politiques au regard de la loi congolaise. On veut un état de droit. Commençons par respecter les textes et les éléments de base. Mais s'il vous plaît, une précision. Samalou Kondé a reçu Ensemble pour la République comme un regroupement politique. Et si on va donner un quota à Moïse Katumbi et ses hommes, ça sera Ensemble pour la République, ça ne sera pas AMK, ça ne sera pas G7, ça ne sera pas etc. C'est de la même manière quand Moïse Katumbi est allé voir le chef de l'État, c'était pour le compte de Ensemble pour la République. Écoutez, je ne sais pas si je vais me dire quoi et en combien de temps. Samalou Kondé a réussi, Jibem Pianagno, Kalongo et les autres. Ils ont combien de députés? Ouye Mouzika, combien de députés au Parlement? BCBJ a été réussi par Samalou Kondé. Il a réussi tous les autres partis politiques n'ayant même pas de députés. Bah, Franck Diongo et les autres. Ils ont combien de députés au Parlement? Ne parlez pas de recevoir ce qui vous donne une légitimité ou légitimation, ça vous donne droit à. En tant que personnalité politique, du point de vue des consultations, on peut recevoir ceux qui sont au Parlement, ceux qui ont des députés, même ceux qui n'en ont pas, c'est de l'équilibre national. Samalou Kondé a réussi, même Kouloutou, Nangaï, Bodo, les autres, ils ont. Et leur groupe de théâtre ont combien de députés au Parlement? Vous pensez être réussi, ça fait de vous président d'un groupe parlementaire de députés? C'est ce qui fait qu'Ensemble, maintenant, des députés au Parlement. Moi, j'ai la décision du ministère de l'Intérieur reconnaissant Ensemble comme parti politique à peine. Ça n'a même pas une année. Entre-temps, les députés étaient déjà élus sous autres noms et d'autres connotations. Joël Kitenge, finissons ce sujet. Vous avez dit quelque part, ça sera la dernière question pour ce sujet. Vous avez dit quelque part que la première mouture du gouvernement était déposée sur la table du chef de l'État, mais cela a été rejeté parce qu'il y a des noms qui fâchent. Ces noms qui fâchent là. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a, les dissidents du FCC qui se retrouvent beaucoup plus au sein du gouvernement Sama. Est-ce que ce n'est pas ces noms-là qui sont en train de fâcher?
Écoutez, bon, les dissidents d'IFCC qui se retrouvent, je ne connais pas le nom de ces dissidents qui font fâcher. Il y a des Steve Mikai qui sont là, il y a des gens, Pierre Liaou qui sont là, il y en a beaucoup qui sont là. Steve Mikai, c'est déjà un mort-né gouvernemental. Il Faut peut même être pas parler repris. de là. Par quel Avec son motif? histoire là de... Je voulais vous poser Il est ça. en train de soutenir Félix Tshisekedi pour l'élection de 2023, non? C'est clair. J'ai l'impression que Dieu a pu envoyer les diables dans la maison de Job alors qu'il n'était plus un ange. Vous connaissez la suite et la conséquence. Je voulais dire ceci. Steve Mbikay, comme le débat de tout à l'heure, est un député élu de AFDCA, son chef politique, et ils aiment l'autorité morale. Son autorité morale se bat sur le Kouébou. Les listes et les quotas, Sam Loukon donnera à qui? À AFDCA. Et vous avez lu le visage du professeur Bat donné à Steve Mbikay, un agitateur pareil, un poste ministériel. D'ailleurs, pour aller faire quoi? Puisque Steve a été lamentablement incompétent dans chaque responsabilité lui conférée de l'ONATRA jusqu'à ce jour. Et lui donner Il a été l'un quel... des meilleurs ministres de l'ESU sous Badiba, sous l'autre là, Bruno Tshibala. L'un Je respecte des beaucoup la meilleurs presse, mon ami, et surtout que nous avons le même prénom. ministres. Les meilleurs ministres, cotés par quel magazine, par quel organe, par quel institut de sondage, et sa capacité d'être meilleur, dans quel domaine, dans quelle dimension, mais je pense que ça a été le meilleur médiocre de ministre qui puisse exister, Steve Mikai. Et s'il y a des gens qui pouvaient apprendre à les boucler, et quand on est à la gare, ne pas oublier à embarquer dans le train de silence, c'est Steve Mikai. Et je suis honteux d'attendre des inepties racontées Est-ce que ça ce et ne sont là. pas ces genres de noms-là qui fâchent? Donc, ces noms-là, ça ne peut même pas fâcher. Steve Mikai, c'est aussitôt que le nom rentre dans les papiers, on déchire même l'ensemble du papier, on reprend un nouveau papier. Ça ne fâche même pas. Ça, c'est un nom que il laisse, je vous Il n'y a dis, pas que Steve Mikai, il y en a beaucoup tous les noms que qui tu... sont Moi, venus je dans voudrais l'Union que toi, tu sacrée. avances. C'est ça, les réponses sont de moi. Je ne révise pas. Si tu m'avances les noms, je vais vous les dire. Je vais vous dire ceci. Sam Loukonde va se focaliser sur les femmes, la jeunesse, mais également les vieux. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tous ces ministres dont vous faites allusion ont été déjà une, deux, trois fois. Les résultats, c'est aux Congolais qui analysent. Alors pourquoi ne pas tenter d'autres? Pourquoi ne pas tenter Kitenge Joël ministre? Vous manquerez quoi en faisant de moi ministre, puisque vous en avez fait même des DJ qui étaient des DJ à Bukavu, vous sont devenus vice-ministre de Qui, par l'économie. exemple? Okito, vice-ministre de l'économie à Kassamakbo. Là, DJ à Bukavu. DJ. Parce que là, l'information vous voyez, Vous en avez pris comme Mondo Moussa, imam ou Islam, imam qui était du peuple Mondo, du monde à vice-ministre Moussa. des hydrocarbures. Exactement. Il n'a même pas un diplôme d'État. Il ne sait même pas reformuler une phrase en Oh, français comme ça. Mais non. Mais je suis à la Joël. caméra. Joël. Papa. Tango Kamati Batouamotin Douana, Ndengaï Kitenge Joël, à cause d'un ministre, son Excellence était. Mais il y en a Puis de. Puis ce sont qui n'ont lobby broco. Finalement, dans ces pays, il y en a de qu'est-ce qu'on ceux-là qui fait? Se sont distingués. Lesquels, par exemple? Le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ouais. En tout cas, dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba, s'il faut imaginer les ministres qui s'étaient distingués, c'est Guillaume Pempe-Manjolo, c'est tout. Moi, je peux t'en citer deux ou trois, non? Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Ce n'est Ah pas oui, notre quand on sujet du est aussi, jour. hein, quand on essaie de se distinguer vraiment dans la dextérité du C'est vrai, travail, ça. c'est tout. Les restes sont des clients. Acacia Bandubola. Même pas. Elle coûte à Megatarozongata. T'en as eu des personnes qui ont osé l'aider. Yves Bunkulu. Mais je prends. Je parle au sentiment de liberté Nabiso. Yves Moi, on a obéi, moi, on a quoi. Yves Bunkulu. Distingué en quoi? Si moi, j'étais celui qui va choisir les noms comme. Je parle ici de Kabuya ou de Kabuya. Eteni Longondo. Pour Annie. Pas aller. Il a su maîtriser le Covid. Papa. Sauter. Okay. Bon, merci beaucoup. Mais ce que je sais, je suis sûr, ceux qui perdent le gouvernement, parce qu'ils suivent Eteni. À ta base, c'est Kotombo. Même Kabuya lui-même est conscient. J'avais suivi autre chose. Autant la base. Il était. C'est quand même ça, il est en état. Il est fait, c'est l'orage, c'est bravo, vous connaissez.
En tout cas, je dis cet endroit-là, Bandima Abidime, là, mon cher. Voilà, c'est ça l'avantage que j'aime dans ces parties. Je suis à l'aise là-bas. Je rappelle à nos chers internautes, à nos chers téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui Joël Kitenge. C'est un communicateur de l'UDPS. Nous sommes en train de passer en revue l'actualité de la République démocratique du Congo. Joël Kitenge, parlons maintenant des élections 2023. À l'allure où vont les choses, on a eu le Covid, on a eu la crise économique, on a eu ceci, on a eu cela, on a eu le dossier Ronsard Malonda, on a eu jusqu'à présent beaucoup de choses. Vous, en tant qu'analyste, croyez-vous qu'en 2023, il y aura élection? Bon. Heureusement, nous ne sommes pas dans l'église. Mm-hmm. À la politique, on ne croit pas. À la politique, on est réaliste, on est pratique, ce n'est pas une question. Avec la réalité sur terrain. Bien sûr, la Constitution voudrait que 5 ans après, qu'on organise les élections. Mm-hmm. Et nous sommes au pouvoir, nous sommes des démocrates, nous allons faire respecter la Constitution, le président respectera la Constitution. Pourquoi je vais croire, puisque la Constitution a tout dit, a tout déclaré. Il en a les moyens nécessaires. C'est l'État, ce n'est pas l'individu. L'État congolais a des moyens. Vous parlez de l'individu ou de l'État? C'est l'État congolais. Oui, l'État, oui, je qui parle de l'État, bien évidemment. Bien sûr, il a des moyens. Oui. À la limite de ses moyens, qu'il va agir. Puisque déjà l'État congolais a organisé les élections en 2011 sans le soutien de la communauté internationale. Mm-hmm. En 2018, l'État a organisé les élections sans le soutien de la communauté internationale. Ça a été facile, ça a été possible malgré aux moyens de l'État congolais, puisque vous n'allez pas comparer les moyens que le Congo dispose comme l'État américain. Avec le budget de 4 milliards chaque année. Mais quand je vous fais allusion en 2011-2018, les budgets étaient de combien? Les élections. On était au-delà de 5 milliards. Hein? Je ne sais pas. Oui. Vous n'avez pas des informations. Je voulais pas d'abord le budget actuel. Est de 6 milliards 900 millions de dollars. Donc, à 100 millions, nous sommes avoisinés à 7 milliards. Nous ne sommes pas 4, nous ne sommes pas 5. Et d'abord, c'est puisque la prévision était de 11 milliards, avec les Covid, les réalités, les recessions économiques et les crises, nous avons été à la hauteur de mobiliser 6 milliards 9. Ça, c'est déjà une évidence. Nous sommes un État. Un État, c'est comme un père de famille. Quand on veut nourrir ses enfants, quand on veut assumer les responsabilités dans son foyer, un père, un responsable fait tout ce qu'il doit faire pour que ça soit fait. On emprunte, on s'arrange, on se bat, et puisque la famille doit survivre. C'est un État, on ne parle pas de l'individu Tshisekedi, on ne parle pas de l'individu Samuel Kombe ou Kitenge Joël, on parle de l'État congolais. Mais en 2016, quand il n'y a pas eu élection, l'UDP était dans l'opposition à l'époque, tout le monde a pointé ses doigts vers Joseph Kabila. Kabila n'a pas organisé les élections, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites que c'est l'État. Mais écoutez un peu, moi je ne sais pas d'où vous puisez des questions. Mais je crois qu'on vous a tous vaccinés dans un mauvais raisonnement, comme tous les gens que j'attends là-bas. C'est la réalité sur terrain. Non, la réalité de... Puisque moi aussi j'étais sur terrain avec ceux qui marchaient. Écoutez, quelle réalité, monsieur? Nous sommes ici en 2021. Mm-hmm. Félix Tshisekedi a à peine 2 ans et quelques mois à peine pour son mandat. Donc depuis le mois de janvier, une année, n'est-ce pas? Et deuxième mois à peine. Soit nous atteignons le 26e mois de son mandat. Sommes-nous pendant les élections? Avons-nous épuisé le mandat? Sommes-nous en... Puisque quand on parlait de 2016, nous étions dans l'année électorale. C'est 2016 où tout était organisé. Et aujourd'hui, il y a encore 2 ans et demi qui nous restent, 2 ans et 10 mois, soit 34 mois. Vous pensez que nous sommes en train d'organiser les élections? Pourquoi vous concluez? Même rationnellement, on peut conclure comme ça? On mais tombe dans quel panier pour commencer regard, à spéculer au regard de au quoi? Regard de la quoi? Dernière déclaration de l'Union européenne, au regard de la déclaration de la Belgique, au regard de la déclaration de la CENCO, qui ont lancé une sonnette d'alarme. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ils disent que nous disons au gouvernement congolais d'organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons. Ah, donc vous m'appelez ici dans votre plateau pour que nous répondions des soupçons. Et les soupçons, pourquoi? Puisque il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut me montrer maintenant le fait où, quand vous voyez la fumée, soyez-en sûr, en fuyant, vous allez arriver là où le feu est allumé.
Et il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de feu sans que ça donne le fumée. Où est ce feu-là dont vous voyez de la fumée? C'est clair. Où vous m'appelez puisque l'Union européenne a parlé? Ah ben, en Belgique, il y a eu un gouvernement. Il y a eu un temps d'autres, ils ont fait une année et demie sans gouvernement. On a parlé, on leur a dit quoi? En France, Macron est dans le collimateur, incapable pour résoudre les problèmes des Français. Nous nous disons quoi? Trump a contesté les élections de Joe Biden. Nous leur avons dit quoi pour sa contestation? Pensez-nous, nous sommes encore dans la colonie. Pensez-nous encore, nous sommes encore l'air subalterne. Pensez-nous, nous sommes sous État. On va nous dire ce que nous devons faire. En tant que peuple, à ce jour, 60 ans après, on n'a pas droit de réflexion et autres. Du point de vue électoral, nous avons utilisé ça dans notre première question. La loi électorale a-t-elle été revisitée pour préparer une pente, par exemple, à revisiter les dispositions intangibles? La Constitution a-t-elle été revisitée pour voir qu'il y a des dispositions intangibles qui ont été touchées? Vous comprenez? Sommes-nous au délai dont il nous faudra avoir fait ces élections et ceci n'a pas été fait dans l'état approprié? Vous allez soupçonner sur base de quoi? Le gouvernement congolais, la présidence, vous avez l'interview d'un seul conseiller où l'ordonnance du président de la République reporta l'organisation des élections. Avez-vous une décision même de Ilunga Ilunkamba ou de l'Assemblée nationale du Sénat décida sur les élections? Si vous voulez faire allusion aux déclarations de nous, politiques IDPS, je m'en cible. Nous, IDPS, nous posons les débats comme parti politique. On a droit de réfléchir. Nous sommes Congolais et tout parti travaille pour la conquête du pouvoir, la gestion et le maintien. Et si en 2023, il n'y a pas élection, vous, Joël Kitenge, vous aurez le courage de sortir dans la rue pour réclamer? Les réclamer où? Dans la rue? Comme vous le faisiez. Je vis dans la rue pendant 37 ans. Et tu me dis que je sorte dans quelle rue? Moi, je vis dans la rue pendant 37 ans. Et je demeure encore le maître de la rue. Vous allez sortir pour réclamer. Mais qui va me dédouaner de la... Je vous demande, moi je vis dans la rue depuis 37 ans. C'est à peine une année, quelques mois que je suis dans la maison. Vous m'assurez que nous serons ensemble dans la rue pour réclamer? Je réclame quoi? Je suis en train de vous dire pourquoi vous voulez que nous, en 2 ans qu'il y a, vous voulez me faire dire ce que l'État congolais n'a pas dit. Je vous parle de l'IDPS, mon parti, dit qu'il y aura élection. Et il y aura recensement. Justement, parlons... S'il vous plaît, il y aura recensement. Ouais. Si c'est de nos idées, comme parti politique que vous faites débat, nous avons droit de réflexion. Un parti politique peut penser même à revoir l'article 220 de la Constitution. J'ai dit, peut penser, c'est une proposition. Mm-hmm. Si Martin Fayoul, je reviens dans ce que vous m'avez dit qu'on mette de côté, propose des débats, la loi organique, on doit faire ça, c'est normal puisque Martin a proposé. Et l'IDPS ne peut pas proposer. Est-ce qu'on est tolérant? Connaissons-nous la démocratie? Si ensemble a un cahier de charges avec les... Cahier de charges, ça s'appelle des propositions, non? Je coupe court. Ensemble peut proposer, puisque c'est ensemble, c'est normal. Et quand l'IDPS dit non, nous aussi, nous pensons que Congolais apatride dans son propre pays, sans carte d'identité. Ceci a été levé de la Conférence nationale souveraine, d'accord global d'inclusif, d'accord de Lusaka, de Pretoria. Mais maintenant, l'IDPS qui prône l'état de droit, l'IDPS est le parti du père de la démocratie congolaise. Il est temps que nous donnions aux Congolais aussi une identité. Et l'organisateur du recensement, le DG Ilunga, vous dit qu'il peut organiser le recensement et terminer en 2022. La CENI et le LA, ce n'est pas l'IDPS qui organise les élections. L'IDPS peut penser tout ce qu'il veut. C'est le parti politique, le CENI peut penser tout. N'importe quel parti peut penser tout et vous ne pouvez pas empêcher un parti de proposer d'en débattre. C'est notre droit et c'est la loi qui nous le reconnaît. Maintenant, avez-vous vu, arrivé en 2023, sommes-nous pendant la campagne électorale, avons-vous vu que le président Félix n'a pas organisé les élections pour en débattre et vous pensez que le peuple congolais, ce que le peuple réclame, c'est les élections ou de certains individus qui traînent encore au chômage politique? Justement, Joël Kitenge, parlant de l'identification de la population, qui identifie aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas, si on veut identifier les Congolais aujourd'hui, la population est infiltrée. Comment procéder? Tu vois maintenant, tu as tout dit dans votre question, je ne sais même pas comment vous répondre. On ne sait pas qui est Congolais, on ne sait pas qui est identifié. Mais on risque d'identifier aussi les étrangers comme Congolais. On ne risquera pas. Ça se passera comment? Le recensement a déjà existé au Zaïre, au Congo, puis au Zaïre.
C'est une culture que nous avons perdue. Vous connaissez notre carte verte là, les La drapeaux carte verte, flambants. oui. Ça a existé. Vous arrivez, Joël Kitenge, vous allez nous démontrer 3-4 générations. Tout autochtone connaît les coins, les Mwami et le renseignement. Si par exemple nous avons démasqué les Rwandais à Fizi, qui se réclament être les Banyamulenge, et alors que nous savons ce sont les Banyarwanda, puisque c'est au Congo où nous avons les seuls messieurs aujourd'hui, le plus âgé du monde et de l'Afrique, qui a 125 ans à Fizi. C'est une bibliothèque vivante et qui a vu les Rwandais venir, qui a vu tout le monde s'installer. Et la dernière fois, vous avez suivi sa sortie médiatique, qui a tout étalé. Nous avons nos ancêtres, nous avons les bibliothèques. Les archives même belges les démontrent, quelle ethnie congolaise qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est difficile là-dessus? Doit-on maintenant conditionner la tenue des élections en 2023 par le recensement de la population? Chez nous, à l'IDPS, c'est notre proposition et nous l'avons soumis au débat des autres Congolais. C'est votre proposition? Nous les soumettons au débat des Congolais. Est-ce que... Pour qu'il y ait élection, identifions-nous. Au lieu de dire les Rwandais, les Ougandais, sachons, découvrons d'abord... Est-ce que l'autre Joël, c'est lui qui est Rwandais, ou l'autre Joël, c'est celui qui est Congolais, ou les deux Joël sont le Congolais? Est-ce que vous vous souvenez des événements du 19, 20, 21 janvier 2015? C'est nous qui étions à la hauteur de ces événements. C'était pourquoi? Pour nous? Oui. Pour nous, c'était... La raison, c'était quoi? Nous souhaitions encore de nous battre pour la démocratie. C'était quoi la raison majeure? C'est à vous de me le dire. La raison, je vous dis, nous battions pour la démocratie. J'étais là et je vous informe. Je vous donne les faits. Les événements des 19, s'il vous plaît. Mmh. Les événements des 19, j'étais arrêté. Ouais. Je fais 3 mois à Makala. Peut-être vous suivez ça à la maison. Moi, j'étais sur le terrain. C'était quoi la raison? C'est à vous de me le dire. Vous n'aviez pas voulu l'identification de la population avant les élections avec l'ONIP d'Adolphe Louman. Vous vous souvenez encore? Il y a eu 2-3 propositions. Nous parlons de l'identification de la population en 2021, il y a 3 ans devant nous. Nous parlions de ça il y a 3 ans devant nous. Adolphe Louman nous le parle en 2016, la fin du mandat. Est-ce que c'est la même chose? Et celui qui dirige l'ONIP vous dit, si on me donne le moyen maintenant, j'identifie jusqu'à 2022. Or, Ngoï Moulunda qui a organisé les élections en 2011, vous êtes Congolais, vous êtes journaliste, a été nommé à la CENI. Et à la hauteur de 8 mois seulement, nous avions eu les élections à 8 mois. La jurisprudence Ngoï Moulunda. C'était faisable d'organiser les élections à 8 mois seulement après la mort de Malubalu. Et lorsque l'ONIP s'arrête à 2022, nous avons 12 mois. Vous trouvez que c'est impossible d'organiser les élections? Alors qu'on a déjà organisé à 8 mois, ici au Congo. Arrêtez de soupçonner, soyez calme, l'IDPS ne violera pas la constitution, mais l'identité et les débats. Nous posons ces débats-là à temps. Pourquoi? Puisque si on les pose en 2023, en 2022, à la veille des élections, là, les tensions, il y a la... N'est-ce pas un ballon d'essai pour voir la réaction de la population? On n'essaye pas. Nous les disons, on ne blague pas. On ne cherche pas les yeux doux de la population. Nous leur disons ce qui est fondamental pour eux. Et notre population est d'accord pour qu'il ait sa carte d'identité. Jimmy Kitenge, nous sommes arrivés à la fin. Non, Jimmy de cette Kitenge, c'est un frère. Jimmy... Non, je peux le saluer, c'est pas grave. Même Joël si Kitenge, voilà. Jimmy Kitenge, c'est mon frère aussi. Ok, merci beaucoup, Joël Kitenge. Je vous confonds souvent les noms, voilà. Non, Jimmy est un frère. D'accord, merci beaucoup. Je l'ai salué avec maman Mbaye, tout le monde avec Iguette, Umba, Docteur, pour vous dire que c'est ma famille. Voilà. C'est lui le frère cadet. Bien que lui, il est de l'autre côté. C'est lui le frère cadet. C'est ma famille. Voilà. Bien que lui, il est de l'autre côté. Ça ne gêne pas. On a vu Germain Kambinga avec MLC et son père, Christian Kambinga, conseiller de Kabila. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais vous poser une dernière question. Ça ne fait pas partie des sujets du jour. Matata Ponyo quitte le FCC et le PPRD parce qu'il a les dossiers avec l'IGF, avec le dossier Bukangalonzo et consorts. Il veut se réfugier dans l'Union sacrée. Est-ce vrai? Tu as dit il veut, donc c'est une intention. Comment je vais répondre à son intention? Je ne suis pas son porte-parole, je ne le fréquente pas. Je ne sais pas tout ce que j'ai remarqué, comme vous à la presse, qu'il a démissionné du FCC et du PPRD. Mais du reste,
C'est à lui seul de vous dire où il veut aller après qu'il ait quitté le FCC autre. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des tractations pour arriver à l'Union Sacrée? En tout cas, je ne suis pas informé de tout ça. Je ne suis pas informé de tout ça. Mais je pourrais vous inviter une fois qu'on aura su que Matata Ponyo est de l'Union Sacrée. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont plus mauvaises que lui à l'Union Sacrée. Si Matata vient, c'est un Congolais. Il y a vraiment des démons à l'Union Sacrée que Matata. Ça sera juste pour camoufler. Alors, je vais profiter de votre micro. Chers Congolais compatriotes, comme Matata, comme Mende, comme Steve Bika, et tous ceux qui pensent, comme Adolphe, comme Ngoïka Sanji, avec tous les dossiers des diamants, des justices et tout ça, comme les dossiers des parcelles avec Mokia et consorts. Je dis à tout le monde, ça est rassuré, que l'Union Sacrée ne sera pas votre vaccin du Covid. Hein? Donc, Covid contre la procédure judiciaire. Ça ne sera pas votre blanchisserie, ni cacheterie, encore moins votre oreiller. Quand vous avez d'amis judiciaires, vous allez les vider. S'il est possible que vous soyez arrêté, tu iras Makala, tu iras Ndolo. Donc, que chacun soit à l'aise et qu'il se détrompe. Félix Tshisekedi avait déjà un allié avant qu'eux viennent. Mais il s'est trouvé voleur, il s'est retrouvé détourné, il a mis la main dans la caisse du trésor. Il est là où il est. Et finalement, sa femme est devenue coiffeuse à Bakovo. C'est qui? Vital Kamerhe. Ah bon? C'était votre mot de la fin. Joël Kitenge, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je crois que prochainement, nous allons vous appeler dans ce plateau pour parler des questions d'actualité. J'aimerais que vous puissiez revenir quand tout ce que je viens de vous poser comme question sera concrétisé. Merci beaucoup. Nous sommes là et salutations. Merci pour l'invitation. Merci. Et vous également, chers internautes, vous étiez très nombreux à nous suivre à travers le monde. Un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage. Fiston Yankole était à la réalisation de cette émission. Bijou Maïkani a coordonné. Et puis un grand merci à Odon Boulamba, le patron de Léon Joléo, qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Vous et nous sommes amis. Vous et nous sommes ensemble. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. On se retrouve à la prochaine.